Qui est la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Madden NFL 17. Poursuite, je sais pas si. Non, ça se dit pas trop. Suite de la saison, suite de la nouvelle saison. C'est la deuxième saison cette année. C'est avec les Vikings, on était aux Redskins, la première. J'ai un petit peu de mal dans ce début de vidéo. On était aux Redskins pour la première saison et aujourd'hui, bah voilà, on va commencer le week 1. J'avais dit que je faisais l'avant-saison, la pré-saison en vidéo, mais au final je me suis dit ça sert à rien, franchement fais tes petits matchs, entraîne-toi déjà avec cette équipe, au final on a fait un bon bilan, entraîne-toi avec cette équipe et vois un petit peu comment ça se passe. Donc là on a la big decision de début de saison, donc la catégorie j'ai choisi le passing touchdown pour une trentaine, pour en faire 30 dans la saison. Vu comment ça s'est passé aux Redskins, on avait fait pas mal, je sais plus trop combien, mais on avait été plutôt pas mauvais, donc je vais partir sur ce petit défi. Pour ce qui est de la saison, donc on va essayer pour une fois quand même d'aller en playoff, ça serait quand même cool. Faire une bonne saison avec les Vikings. Je vais voir un petit peu comment je vais organiser tout ça, si je fais tous les weeks comme j'ai fait avec les Redskins, ou si je vais avancer un peu plus rapidement, voir comment la saison se passe. On verra. En tout cas, aujourd'hui, premier match, c'est face à Chicago. Je vais simuler l'entraînement rapidement. Et c'est face à Chicago, le premier match, le week 1. On va essayer de faire bien. On va essayer de commencer par une victoire. En attendant, on commence tout de suite la famille, c'est parti. Hello everyone, I'm Larry Ridley. You're tuned into the NFL on EA Sports. It's the beginning of a new era for this young man in the pros. Rookie seasons can be notoriously tough for quarterbacks. We'll have to see how seamlessly he can make the jump from college to the next level. It's the Bears going up against the Vikings. Yes, ça y est, on y est, premier match de la saison. Il sait pas attendre ce match. Ça fait un petit moment quand même, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, il y avait des trucs à régler et tout en perso. Donc voilà, je me suis dit, on va faire ça bien. Et comme ça, après on pourra reprendre les vidéos sur un bon rythme comme avant, etc. Faut pas oublier non plus les mecs, j'ai eu des petites demandes, etc. Faut pas oublier non plus que je fais plusieurs types de jeux sur ma chaîne. Je fais du Madden, je fais du NBA, je fais du FIFA. Donc voilà, il y a un peu de tout à chaque fois. Alors bien sûr, je sais que des fois ça peut être un peu long sur certains épisodes de suivre, exemple NBA, je sais qu'NBA j'en sors pas souvent. C'est peut-être celle où j'en sors le moins et voilà, c'est des choses qui arrivent. En attendant, je fais du mieux que je peux. NBA, Madden et FIFA, même si FIFA, je sais très bien que FIFA ça marche pas. Hein. FIFA, je vois à peu près sur les vues, je vois que ça marche pas de ouf. Mais j'aime bien. J'aime bien donc je fais, c'est tout, voilà, faut pas se prendre la tête, faut faire ce qu'on aime et c'est le principal. En attendant, on l'a bien défendu. Et on va commencer. Première offensive de la saison avec les Vikings. Ça serait quand même bien de commencer par une victoire. L'année dernière, on avait gagné avec les Redskins le premier match face aux Steelers qui avaient été en finale du Super Bowl. Voilà, nickel. Super. Ça commence bien, c'est une bonne petite passe pour bien commencer le match. Et à nous de montrer que voilà les mecs, on est là pour quand même faire au moins des playoffs. Je crois que l'année dernière, ils n'avaient pas été en playoffs. Voilà, ça a passé, je vais lui mettre une distance lui. Super, belle course. On n'a pas perdu nos petites habitudes. Et allez, on s'est bien avancé. Là, ça va être compliqué par contre, là, ce que j'ai choisi. J'ai l'impression que la défense, elle est bien en place. Non, c'était pas lui, même si là, c'est peut-être... Oh, il a eu touchdown, la famille, touch. J'avoue, c'était absolument pas à lui que je voulais la lancer. C'était pas du tout à lui que je voulais la lancer. Mais c'est passé. Belle réception, nickel. Le magnifique touchdown, et ça commence bien. Premier touchdown de la saison. Première offensive, premier touchdown, c'est beau. Ça fait plaisir. Et allez, on récupère l'offensive. Les Vikings, comme je disais dans la dernière vidéo, on a une grosse défense, donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Enfin, surtout face à Chicago, certes. Elle est belle, celle-là, right. C'est super, ils gagnent pas mal de terrain, pas mal de yards, ça fait plaisir. Donc ouais, comme je disais, j'ai pas trop à m'inquiéter niveau défense. Je sais que derrière, ça tient quand même le coup. C'est loin d'être horrible. Et au moins, nous, devant, ça nous permet de tenter des choses et pas trop, voilà, si vu que je suis le pro des interceptions, hein, je me fais vachement intercepter. Et bah, ça permet
Ouais, je vais pas jouer compliqué là. On va gagner quelques yards, c'est bien. Donc ça nous permet, même si on se fait intercepter, c'est pas super grave. Même si c'est, faut pas, hein, faut pas le faire, hein, c'est pas bien. Mais c'est, ça retire un petit peu de pression à la passe. Au moins, ça nous permet de jouer un peu plus tranquille. Là, il y a des belles courses. Il y a des très très belles courses. On va voir ce qu'on peut faire si je me fais pas charger. Oulala, 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 oulala. Ouais, j'étais obligé. Oh là là. Ah ouais, c'est. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche sur les... À chaque fois, hein, c'est limite, j'aime bien. J'ai l'impression que j'aime bien faire ça. À chaque fois que je parle d'interception, etc., je me fais intercepter derrière. Ah, mais c'est les autres qui m'ont mis la pression. Ils ont passé la défense facilement. Et derrière, on se fait intercepter. Ouais, coach, je sais. C'est bon, tranquille, coach. Alors, sincèrement, là, je peux pas commencer la saison par une défaite, surtout face à Chicago. Ça serait un petit peu honteux. Donc, on va se concentrer. On va jouer notre game. Voilà, Williams tranquille. Les 10 yards, c'est passé. Ah non, ouais, je peux pas commencer comme ça là. Attends, sérieux, si je commence par une défaite la saison face à Chicago, ça serait un petit peu catastrophique. On se posera déjà des questions sur les playoffs. Allez, allez, allez. C'est pas ça, passe, ça passe, ça passe. Pouh, on a mis une grosse boîte, mais on l'a pas lâché la balle, c'est super. J'ai eu très peur, hein. Quand je l'ai vu devant moi, je me suis dit, ah ça y est, on va faire du fumble, on va faire de la merde comme ça déjà. Non, non, ça va, on va gérer. J'ai envie de la jouer sur Lincoln. Non, c'est mort Lincoln. Ouais, tranquille, tranquille Rodolphe, super. Non, ça avance bien là, franchement. Ça avance plutôt bien, faut tout vite revenir de toute façon sur cette attaque. Faut pas commencer à se faire distancer comme ça. Alors on va tenter de la course, vu la distance où on est. Ah, par contre, ils s'y attendent là. Ouais, ils s'y attendent fortement, donc ça va se rentrer dedans. Il y a moins qu'on perde du terrain même. Hein. Oh là là, quel beau gosse. Oh non, dommage. Dommage. J'y ai vraiment cru là. J'ai cru qu'il allait y aller, le petit gars. Il y a un ou deux yards, même pas. Il y a rien du tout là, mec. Il y a rien du tout là. Je te la donne, tu fonces dans le tas, mon pote. Allez, allez, allez. Oui, oui. Elle est passée ou pas? Je sais même pas s'il y a touchdown. Il y a touchdown là, non? En tout cas, il est passé en puissance. Moi, pour moi, il n'y a pas touchdown. Mais non! Je me souviens plus où trop. Ouais, il va passer là quand même. En puissance, ça va passer. Il n'a pas passé. Ouais, il s'est fait stop direct dès le début. Ouais, c'était sûr. Et Chicago qui prend un temps mort. Alors, comment on la joue? Est-ce qu'on joue 3 ou est-ce qu'on joue? On va jouer 3, je pense. C'est plus sage. Ouais, c'est plus sage, ils ont raison. Ça fait quand même chier de se faire stopper à quoi, hein, même pas rien de la zone d'embut. En tout cas, voilà, on reprend donc en deuxième période, on récupère la balle. Et ça serait bien là de passer devant tout de suite en ce début de mi-temps. Elle est trop longue. Désolé, c'est ma faute. T'énerve pas, gros, c'est pas grave. Faut passer devant les mecs, faut gagner ce match. Oh là là, magnifique. Oh, dans le tempo monstrueux mon frère. Allez Diggs. Il va y aller. Non, il va se faire stop. Il va y aller. Il est magnifique ce touchdown. La passe elle était mise parfaitement au bon moment. Là où il coupe sa course. Là où il prend la diff sur le défenseur. Regarde, dès qu'il coupe la course, bam, la passe est part. Magnifique. Et c'est ça qui fait la diff. C'est vraiment ça qui fait la diff sur l'action. Et après, Dixit, il court, le petit gars, il court. Et personne ne le rattrape. Super, on repasse devant. Et ça fait un petit peu du bien au moral. À nous de gérer maintenant. Pas faire non plus n'importe quoi. C'était compliqué. Franchement, il y avait Diggs, il était beaucoup mieux. Il était tout seul. J'aurais peut-être pas franchi les 10 yards avec lui, mais on aurait gagné d'autres yards. Au final, j'ai choisi la difficulté. C'est passé, ça fait plaisir. Belle réception. Et là, maintenant, on peut commencer à leur mettre la pression. 20 derniers yards. Oh ouais. Oh, je l'ai vu tout de suite. Super, la famille. C'est bon, ça. C'est du très, très bon. On prend une certaine avance. La belle passe. Tranquille, je l'ai vu depuis tout à l'heure. Il avait pris le dessus. Hein. Il avait pris le dessus sur son défenseur. Et ça fait le troisième touchdown du match déjà, ça fait plaisir. Bon, troisième tentative, 13 yards, ça va être chaud quand même là, ça va être chaud. Il faudra convertir direct.
sinon on va se dégager, il reste 5 minutes, ça peut être très compliqué. Ah, il a pas suivi. Eh oui, il l'a pas suivi, mon pote. Il l'a pas suivi, ça passe tranquille. Et on continue d'avancer, doucement, mais sûrement. Et je vais peut-être essayer de mettre encore un touchdown, hein, quitte à... Voilà, il y a le défi 30, hein. 30 dans la saison, je suis déjà à 3 sur ce match, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si on peut faire les 30, je passe dans l'axe, tranquille. Alors par contre, les mecs, à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord. J'ai vu dans les commentaires, ouais, et tout, quand tu fais les courses, si tu veux, tu peux te jeter en taclant. Je suis d'accord avec vous, je sais que sur l'ancien, j'y arrivais. Après l'ancien, je jouais sur PS4. Là, celui-là, je joue sur Xbox et je comprends pas. À chaque fois, le mec, il plonge en avant. Je ne peux pas... Enfin, j'ai l'impression que je peux pas tacler. Alors peut-être je dois mal le faire. Certains m'ont dit 2 fois X, mais 2 fois X, ça doit être sur la PS4. Donc je fais A et A, ça ne marche pas. En tout cas, nous, on avance. On avance. Doucement, mais sûrement, mais ça avance. Donc ouais, je sais pas s'il y en a qui jouent sur Xbox One. Dites-moi. Sérieusement, je comprends pas. Et pourtant, dans mes souvenirs, je n'ai pas changé les touches. Donc, ça devrait marcher. En tout cas, voilà, la fin du match, il reste quand même un peu plus de 3 minutes. Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Et un touchdown de plus, ouais. Tranquille ce match. En tout cas, ça fait plaisir. Premier match, première victoire. Je me rappelle des Steelers. On va même tenter une passe de ouf. Et bah voilà. On aurait peut-être pas dû tenter. C'est pas grave, 13 points d'avance, franchement, c'est sûr qu'on gagne. J'annonce, je vous le dis, c'est sûr et certain qu'on gagne le match. Voilà, dernière offensive, il reste 18 secondes, ils n'ont plus de temps mort, on va la jouer en course, histoire de quand même jouer un petit peu l'action. Mais voilà, premier match, première victoire, ça fait plaisir, 34-21. C'est un début de saison comme je les aime. Voilà, c'est pas grave. Voilà, 10 dernières secondes, c'est fini. Super la famille, c'est super. Première victoire avec les Vikings. Ça démarre bien. Ça démarre très bien. Comme avec les Redskins. Par contre, maintenant, faut enchaîner des victoires. Je sais que l'année dernière, on avait enchaîné, je crois, aucune victoire. On gagnait, on perdait, on gagnait, mais on n'enchaînait jamais deux victoires de suite. Donc là, cette année, de toute façon, si on veut les playoffs, faut le faire. En tout cas, voilà, face à Chicago, 34-21. Premier match, première victoire. C'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Et voilà, la famille. Fin du week. One face à Chicago, victoire. Donc on commence bien. Prochain match face aux Bengals. Et bien les Bengals qui ont gagné aussi, apparemment. Qui ont fait leur petite victoire. Donc non, on commence plutôt bien. On commence doucement. En plus, on bat une équipe de notre division, ce qui est quand même assez important. Même s'il y a les Packers, ça va être chaud avec les Packers et les Lions. Mais c'est bien. Vaut mieux commencer comme ça que voilà, par une défaite, etc. Donc prochain match face aux Bengals. De toute façon, on se retrouve très vite, la famille. Et je vous dis donc. Dans quelques jours, même pas, ça se trouve, pour la prochaine vidéo et pour le prochain match, pour le week 2. Allez, ciao la famille.